Amis, alors bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance, de la magie, du respect. Bienvenue en ce beau vendredi, jour de Vénus, jour de l'amour toujours. Une petite bougie rose, une petite huile magie d'amour et avec des pétales de rose séchés, vous les mettez dans du sucre, voyez-vous, vous pouvez réaliser des miracles avec. Alors, merci pour vos pouces bleus, vos likes, vos partages et vos abonnements. Nous allons faire une vidéo concernant Vincent B. Petit point, la revanche. Et vous comprendrez dans quelques minutes, parce que ce qui est en train de se passer, on se croirait de retour chez Staline. D'accord? Donc, on va remettre un petit peu l'église au milieu du village par rapport à beaucoup de choses. Je vais vous présenter deux livres qui me semblent importants de vous présenter. Et après, je vous dirai un message parce que j'ai appris certaines choses, donc vous avez le droit de le savoir. Alors, le premier, donc c'est un livre aux éditions Rustica Éditions, Les Plantes des Druides. Alors, c'est un livre que mon mari, de Florence Laporte, c'est un livre que mon mari a adoré. Vous voyez comme quoi, moi c'est un livre que je n'utilise pas, mais mon mari s'y retrouve dedans. Bon, il adore les plantes et compagnie. Et c'est un excellent bouquin. Mais tiens, on vous parle d'élixirs floraux, les décoctions, les teintures mères, les usages externes, d'accord. Donc c'est un, au niveau des croyances aussi, les risques de confusion et compagnie. Donc excellent livre que enfin c'est un trésor pour mon mari, hein, c'est ce qu'il dit, d'accord. Rustica Édition les présente plus. C'est une très très bonne maison. Alors, il n'y a pas marqué le prix, c'est 17,95 € à l'époque, on l'avait payé, Rustica Édition. Alors apparemment, ils ont un site qui s'appelle rustica.fr, mais mon mari m'a dit, c'est un livre très masculin. Ils vont nous parler des traditions celtiques aussi, voyez-vous, la consoude officinale pour ici, les potins de la consoude, d'accord. Au jardin, le purin de la consoude, protection anti-limace, décoction des feuilles, croyances, risque de confusion, vous voyez chaque fois, les précautions à prendre, description, etc. Donc un excellent ouvrage, d'accord, qui est pour moi peut-être plus masculin que féminin, même si j'accorde plus trop d'intérêt au côté masculin-féminin. Voyez-vous, mais de très très belles photos où on vous explique les choses. Deuxième livre que je vous recommande aux éditions X, Jean Testanière, un excellent médium qu'on a vu sur tous les plateaux, et si la vie n'était qu'un début. Alors c'est un livre que j'ai reçu en cadeau d'une amie très proche, que j'embrasse au passage, d'accord, X édition, XO édition peut-être. Voilà, excellent ouvrage, où c'est un homme très compétent que je recommande également. Voilà, donc on va aller faire cette vidéo, mais avant cela les amis, je voudrais adresser tout mon soutien du fond du cœur pour deux personnes remarquables et très compétentes. La première qui s'appelle Jérôme Vibert, dont je vous en avais déjà parlé, c'est quelqu'un que je soutiens 100%. C'est quelqu'un de compétent, qui est tombé dans le panneau tout comme moi et une autre personne vis-à-vis. Vous savez comme quoi la vérité prend toujours l'escalier, mais quand elle arrive, en général, elle fait un grand boom. Ce qui est en train de se passer, donc Jérôme Vibert est vraiment très compétent. Si vous voulez le consulter, vous pouvez. C'est vraiment quelqu'un très bien, qui est pas très loin de chez moi. Il est avec Bernard, je dirais, il a une chaîne qui s'appelle Au-delà des mondes, avec notre cher Bernard, d'accord, aussi très compétent dans son domaine. Et un autre soutien, c'est à Abundancia Consulting, d'accord. Je demanderai à toute sa communauté de la rejoindre.
Elle a besoin de votre soutien actuellement parce qu'elle est passée par les mêmes perturbations que moi l'année passée. Et ben, vous savez, on a toujours les mêmes personnes au bout, hein. C'est toujours pareil. Mais je vous dirais que je la soutiens plein pot et une personne remarquable, comme quoi les gens remarquables doivent faire très attention de par ces temps-ci. Voilà. Alors, nous allons voir Vincent B, la revanche. Alors, qu'on aime ou n'aime pas le personnage, c'est pas le sujet. Ce qui va nous intéresser, c'est ce qui va en arriver. On sait que Vincent B, point, point, Holloré, vous voyez lequel je veux parler, est actuellement dans la tourmente grâce au juge de chez Sta.line, le L.F.I, bien sûr. On sait qu'il est sur la sellette tout simplement parce que ces gens sont d'une jalousie féroce, c'est une évidence. Mais ce qui nous intéresse, on sait par le passé qu'il a été en conflit direct avec Alexis, le col qui n'en a plus l'air. Voilà, le pote à Bricaton, bien évidemment. Donc, il va sans doute, vous savez, dans le milieu des affaires, ça fait pas de cadeau, ça, on est d'accord sur le sujet. Ce qui va nous intéresser là, c'est de savoir ce qui va se passer, est-ce qu'il va riposter ou non ce Vincent B. Point, point, holo, point, ré, d'accord, vous voyez lequel. À mon avis, tous ces gens ne vont pas se laisser faire, d'accord. Et moi, j'ai envie d'être une petite souris, d'aller voir qu'est-ce qui va se passer par la suite. Est-ce qu'il va leur mettre, parce que tout ça est dirigé par Bricaton, hein, bien sûr. On savait, et Alexis, le col qui en a plus l'air, on retrouve toujours l'eau dans sa mare.fi.a. Là, c'est une certitude. Et on retrouve bien sûr les potes à Bricaton et Mimi, vous savez, la marchande, d'accord? Bien sûr, qui est derrière avec le Bouffetamoule TV, comment il s'appelle l'autre? C'est pas Olivier qui s'appelle, je sais plus. Je sais même plus les noms, vous voyez, ça me passe tellement au-dessus. Non, c'était pas Olivier, je sais plus. Enfin, ceux de Bouffetamoule TV, de toute façon, qui sont furieux qu'ils n'ont plus la main sur les infos du jour. Donc, qu'est-ce qui va se passer entre l'Alexis, le col qui en a plus l'air, et le Vincent B, d'accord? Parce que là, peut-être, ça va nous arranger, nous aussi, hein? À mon avis, il va y avoir de la castagne, d'accord? Ça vous plaît, ça, hein, quand il y a de la castagne? Voilà, hop. Il va y avoir la castagne. Donc, dites-moi, qu'est-ce qui va se passer entre le Vincent B et l'Alexis, hein, le roi de la map.fi.a, on le sait aujourd'hui aussi, hein. Mais évidemment, il ne faut pas en parler. De toute façon, comme la première sinistrose, on voit bien qu'il n'est pas bien dans ses baskets. Vous avez vu les cernes qu'il a. Alors là, ne dites plus rien, vous êtes cerné, c'est ça, hein, franchement. Alors lui, il doit prendre des lignes de coco, hein, c'est moi qui vous le dis sérieusement. Ah ben, je vais en mettre deux autres ici en plus, voilà. Alors j'espère que vous allez bien, les amis, hein, que tout va bien. Alors moi, top, bien sûr, j'ai beaucoup de choses. Alors je ne donne pas du tout de consultation, je tiens à le dire et à le préciser. D'accord, les amis? Voilà. Alors quand on me demande, c'est difficile de conseiller quelqu'un, bon, mon amie Agnès donne des consultes. Ou pas, non, je ne crois pas qu'elle donne des consultes, je ne sais plus. Voilà, j'en sais rien et je vous dirais, c'est difficile de conseiller quelqu'un parce qu'aujourd'hui, ben, je suis devenue excessivement prudente. Parce que vous conseillez quelqu'un, puis après ça vous retombe sur la poire, c'est bon. J'ai donné sur le sujet, c'est pour ça que je fonctionne en solo, en totalité. Alors, dites-moi, s'il vous plaît, de grâce, Vincent B, quelle va être sa, ben, disons, comment on pourrait appeler ça? Comment il va se venger de cette chose, d'accord? Comment il va lui rentrer dans le popotin ou pas dans le popotin? Voilà. Alors, je sais qu'il est très critiqué, ce monsieur Vincent. D'accord? J'ai eu une chance de le rencontrer une fois, je vous le dis sincèrement. Pour moi, il avait été très gentil avec ma personne, très poli, très courtois. Voilà, donc j'ai rien à reprocher. Après, on fantasme des fois sur certaines idées, sur certaines personnes qui ne sont pas toujours vraies. Bon, alors, qu'est-ce que nous avons? C'est une histoire de frappadin qu'on a bien compris,
qu'est en train de se mettre en place une guerre dite cachée par-dessous de la table. Bien sûr, une guerre cachée par-dessous de la table, on essaye d'intervenir coûte que coûte ou de faire intervenir les autres contre le Vincent B, ça c'est une certitude. On comprend bien, ici nous avons le joueur de pipeau, c'est-à-dire le bricaton, mais accompagné de son Alec, voilà, à côté son chien fidèle, qui est l'Alexis, le col qui en a plus l'air ou qui en a l'air, comme vous voulez. Ça n'a pas d'importance. Eux, ce qu'ils veulent, c'est bouffer tous les franchouillards et surtout vos sous-sous, les amis. D'accord? Voilà. Donc, c'est bien à l'arrière. Il y a bien des manœuvres par-dessous. Le but, c'est de faire tomber Bolo.ré pour prendre tout ce qu'il a, d'accord? Le faire accuser actuellement. Ça, c'est une certitude. C'est de le faire accuser tout azimut de choses qui ne sont pas vraies. Donc d'entrée de jeu, on a le joueur de pipeau, le bricaton, qui est bien à la manœuvre avec le Alexis, le col, qui en a plus l'air. Déjà, on sait qui est à la manœuvre, c'est une évidence. Mais alors le plus gros, le Louis, vous savez, le beau qui n'a plus de garde, voilà, et ben... Qui était son patron? Ben, le Vincent. Vous voyez, c'est étrange. Tous ceux, après, ils disent « Oh, mais j'ai publié dans telle maison d'édition. Oh, mais ça appartient à Vincent. » Ben oui, Coco. Voilà. Donc, ils sont un peu... Il y avait aussi un musicien qui était un peu comme ça. Voilà, il s'est rendu compte qu'il avait fait une bêtise parce que qui c'est qui le finançait, qui le produisait? Ben, c'était Vincent. Mais ça... Ah! Ben oui, son franc est tombé ou son euro est tombé ou sa bêtise est tombée. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons effectivement des raisons financières, d'accord, de prendre, vous savez, c'est le milieu des affaires, hein, c'est pas tendre du tout, c'est un milieu de requins, de prendre tout son business. Voilà, ben c'est le but, hein, voilà, c'est bien organisé dans le dos, mais je peux vous annoncer d'entrée de jeu concernant le Vincent B, ça ne marchera pas, leur bêtise. D'accord, d'entrée de jeu, je peux vous annoncer que ça ne marchera pas de ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'on n'est pas bête, vous savez. Ils s'imaginent toujours ces gens, le Louis qui n'a plus, le Louis, le celui qui n'a plus de beau poignard, d'accord, voilà, etc. Donc ce monsieur reste en place, donc pour moi il n'y a pas trop de changement. Le projet machiavélique ne marche pas, et il y a des gens qui après vont ramper devant lui. Pour moi, le Louis, le beau qui n'a plus de yard, je vous dis, c'est la fin des poids pour lui et pour toute sa vie, il paiera les conséquences de ce qu'il a dit et de ce qu'il a fait et que les gens, enfin, je pense au Cyril, je pense au Pascal, je pense à Christine et à d'autres, Laurence également, Sonia et autres, vont lui faire, lui donner la facture, ça c'est une évidence. Alors, donc ici, qu'est-ce que nous avons? Ce regroupement de gens malhonnêtes me dit clairement, va y avoir quelque chose qui va sortir du chapeau et où ils vont être mis à découvert. Bon, alors là, je peux vous annoncer, ça va arranger le Vincent B. Mais ce qui s'est passé, vous avez entendu parler de Candace Owens, d'accord, vis-à-vis de son émission. Bon, là, c'est parti, hein, voilà. Eh bien, ça ne va plus s'arrêter, on est loin. Au contraire, ça va s'accentuer. Mais je peux vous annoncer clairement que tous ces gens-là disparaîtront, alors pas de Vincent B, hein, je parle des ODL.fr.i, mais pas que tous ces gens-là qui ont fait une pro C.dur, Stali.nienne, d'accord, je vous dirais que d'entrée de jeu, ça va mal aller pour eux, parce qu'à viva aeternam, ils regretteront amèrement ce qu'ils ont fait, pensant foncer dedans. Je vous avais dit que pour la Mélenchouille, donc il n'était plus élu, donc j'avais raison. Je vous ai dit qu'il est bon pour l'asile, et j'avais raison également. De toute façon, tout ce que ça dit, là c'est très grave. De toute façon, il y a des tas de choses, comme je vous l'ai dit, qui se mettent en place, entre commu.noté, qui sont dirigés par les L.F.I, et je peux vous annoncer que prudence, d'accord, quand vous sortez simplement.
Alors, leur côté machiavélique, médisant, mais pas que, de manipulation des... Je vous ai dit par rapport hier aux petits démons et compagnie qui commençaient à débarquer en leur demandant de respecter leur pacte. Ils ne les respectent pas. Ça, c'est... Il y aura une action. Ah, il y a une action du Vincent. Attendez. Une colère immense du Vincent. Alors là, c'est... Et pour moi, il y aura une procédure. Il y aura pas une. Il y aura des procédures en diffamation contre ces gens-là qui ont voulu faire tomber le Vincent B. Ils ne vont pas se laisser faire, mais par devant et aussi par derrière, voyez-vous. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, comme vis-à-vis du Cyril, il va se venger, mais d'une façon féroce. Parce que là, ils vont faire des enquêtes contre le L.F.I. Et comme le cas qui n'a plus de ronron, d'accord, voilà. Lui aussi, pareil, il ne pourra, il le sait qu'il est fichu en tant que journaliste, et il sait qu'il est, oui, il aime Rick, là, d'accord, il sait qu'il est fichu de partout, et qu'il ne pourra plus revenir sur la scène, qu'il sera mis au banc. Alors, tout s'effondre par rapport à ce qu'ils sont en train d'accuser Vincent B. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui vont sortir, 1, 2, 3, là, dans l'année, qui vont sortir contre tous ces sbires, des vérités. Je vous rappelle que pour moi, le Louis, le beau qui n'a plus de yard, finira dans un cani.vaux, d'accord? Voilà, je vois beaucoup de liquide rouge autour de lui, d'accord? Dans ses trap.fic de poudre sacrée. Donc ici, tout s'écroule, tout ce qu'ils ont voulu ensemble, et on voit effectivement le Vincent redresser la pente. Donc pour moi, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, il faudra prouver quoi que ce soit. C'est comme celui là des R.S.F. C'est pareil, je veux dire, il risque d'avoir de sérieux problèmes et d'être obligé de partir à l'étranger. Je vois bien partir en Afrique ce bonhomme, d'accord, qui a accusé sommairement. Qu'est-ce que fait T.F.1? D'accord, avec Coty.indien, c'est bien ça aussi, ils font de la manipulation, on a bien compris. Voilà, et ils sont répréhensibles vis-à-vis de la loi. Donc, excusez-moi, je me lâche. Alors ici, donc il y a bien une action heureuse pour... il y a une action heureuse. Il y a bien une action... Excusez-moi, j'entends, dit le vent, je dis, qu'est-ce qui se passe? Oui, ça passe sous la fenêtre, en fait. Mais j'ai ouvert, j'en sais rien. C'est une maison qui est très particulière ici, donc, mais j'adore ça, vous savez bien, j'adore. Donc, ici, qu'est-ce que nous avons? Une action heureuse pour le Vincent, d'accord? Il y a des discussions, ils vont tenter de traiter pour ne pas que certaines choses sortent au niveau du L.F.I, mais je vous l'annonce, ça sortira quand même. Alors là, c'est marrant, parce que je suis en voyance pure. Je suis passée dans un autre domaine, dans la voyance plus du tout avec les cartes, donc ça m'arrive de temps en temps. Là, c'est le cas, je vois vraiment tous ces bandes de gougnafiers, voilà. Il y a un type du L.F.I dont j'ai connu le papa il y a des années en arrière. Mes frères étaient amis avec la famille, mes parents aussi avec son grand-père. Et compagnie, ben dis donc, quelle honte! Et oui, il ressemble à une porte. Voilà, vous comprenez? Très bien. Donc, on a connu tout ça, ben, mon Dieu, que c'est bien triste. Je pense que le grand-père doit se retourner dans sa tombe, parce que quand il voit ça, c'était pas du tout ses façons de penser. Voilà, excusez-moi, je me lâche un petit peu de temps en temps. Donc ici, nous avons une fin de cycle par rapport à des procédures qui sont contre Vincent B. Donc pour moi, ça tombera à l'eau. D'accord? Et nous avons ici donc un projet qui ne marche pas, qui a été payé en sous-main par le 4 qui n'a plus de tarte pour faire tomber Vincent B. Voilà, là vous avez une vérité, puisque là, je joue là des cartes. Ici... Comme je dis, le tout, c'est la résultante. Blocage de qui? Ah, puis j'ai un gros blocage, une surprise inattendue. On va savoir qu'il y a des finances qui sont arrivées dans la poche de certains des députés.
duel.fr.ai et ça va ressortir parce qu'ils vont faire chou gras de ça. Il y a le Cyril qui est démonté là. Hein. Je vous le dis tout de suite, le Cyril est très très en colère contre cette situation. Ouh là là, il est déchaîné le Cyril. Et il engage des, comme des détectives, etc., des gens pour aller surveiller tout ça. De toute façon, le Cyril est tellement déterminé qu'il va aller bouffer, hein, et il y arrivera. Ça, j'en suis sûre. Alors, c'est pas une question d'aimer ou de ne pas aimer, c'est de voir les choses telles qu'elles sont. D'accord? Voilà. J'aime pas, si vous voulez, bon, on peut ne pas apprécier quelqu'un, c'est une évidence, mais l'injustice, ça m'insupporte, voyez-vous, je n'y arrive pas. D'accord, moi j'aime me battre à armes égales et pas d'inventer des choses parce que voilà, j'ai quelqu'un dans mon entourage quand j'étais petite qui était dans la politique et il a monté des dossiers contre les gens et je ne supportais pas quand j'ai su toutes ces magouilles. Ah, moi ça a été terminé. Surtout, il avait fait un dossier contre quelqu'un que j'adorais en Belgique qui s'appelait le cardinal Daniels. D'accord, mes amis belges connaissent, j'ai connu, il était derrière la basilique de Koekelberg pour nos amis belges, d'accord, et donc ils avaient monté des dossiers contre lui, j'ai dit mais c'est dégueulasse ce que tu fais, parce que moi je l'ai connu, et c'est rien à voir du tout avec ce qu'il disait, voyez-vous, donc c'est la manipulation, bon, c'est comme ça. Donc leur projet machiavélique de le démonter, ils n'y arriveront pas, et je peux vous annoncer que ça va péter dans les tonneaux, d'accord, ça va péter de partout, et les autres là, le, de toute façon le 4, le point rond, d'accord, vous savez l'Emeric là, je vous dirais, ça va être costaud contre lui, lui il va tout perdre, il va être obligé aussi de foutre le camp, d'accord, non réussite. Bon, là, vous avez la finalité non réussite de ces projets avec beaucoup de sous derrière du 4 qui n'a plus de tas pour tout démonter. D'accord, non, le groupe reste en place. Moi, j'ai pas de problème avec le groupe du tout. C'est plus des problèmes avec ceux qui sont en avant et ça va chauffer à blanc. Voyez-vous ce que je veux dire? Surprise. D'accord. Bon, surprise, ben c'est bien par rapport à notre monsieur Vincent, d'accord? Et là, je peux vous annoncer que ça part en vrille vis-à-vis de ses ennemis. Donc, ben écoutez, ils n'arriveront à rien du tout. Voilà, ils n'arriveront à rien du tout. Aussi, petite parenthèse, les amis, puisque je vous ai... faites attention actuellement, Bricaton veut cacher tout son bilan. Donc, il est en train d'inventer toujours des nouvelles choses à mettre dans les lois, dans la Constitution. Vous aurez ça jusqu'au mois de juin pour planquer son bilan. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? D'accord. Nous allons apprendre des manœuvres financières cachées. Bon, je viens de vous en avoir parlé avec du 4 qui n'a plus de tas pour mettre à mal polo.ray. Je vous dirai également qu'ils vont tenter de le faire passer pour un ami de Poupou. Je vous l'annonce. D'accord? Voilà. Je vous l'annonce. D'ailleurs, ouais, mais je pense que ça va péter des thunes, là. Hein? D'accord? Péter des thunes, enfin. Hein? Péter dans le popotin! Alors, par la force. Donc il y a des, je vois la police débarquer dans des bureaux du L.F.I, mais beaucoup de bureaux de DDPPTT pour prendre des documents par la force, c'est-à-dire par la police qui viendra faire une perquise. Ça c'est une évidence où on va retrouver des manœuvres financières et là ça m'annonce la fin, d'accord, de ces bandes de pignoufles qui veulent mettre tout le monde à mal, ça c'est une évidence, hein, on le sait. Alors, je pose la question, alors, est-ce que ces neneux sera toujours présent dans 4 ans? D'accord, ça vous va? Voilà, est-ce que dans 4 ans, ces neneux sera toujours ces neneux, ou tout au moins ça appartiendra toujours au bolo.ré. Alors, trahison. Ouh.
d'une déception actuelle, d'accord. Il y a des gens qui vont trahir, on le sait. Elle ne veut pas me répondre pour l'instant. Ici, qu'est-ce que j'ai? Ça va aller en justice, questionnement, triomphe sur retard quand même, contrat. Bon, alors, on va poser la question autrement. Est-ce que le contrat sera poursuivi pour bolo.fr? C'est dans 2 ans, hein, je crois. Voilà. Est-ce que le contrat sera toujours poursuivi pour bolo.fr? Changement, événement rapide du travail, du taf. Oui, d'accord. Mais entre-temps, il va y avoir énormément de trahisons, beaucoup de gens qui vont commencer à parler. Ça va être assez méchant et coton sur le sujet, mais en finalité, bolo.ray garde son canal, ou vous voyez ce que je dis, enfin, tous ces trucs, il les garde, c'est évidence. Par contre, ici, nous assistons à une opération dite ma pointueuse, d'accord, qui est de gens qui ne sont pas... Alors, moi, j'ai appris depuis, surtout depuis l'année passée, si vous voulez, quand on est dans le monde des chaînes, comme là, comme moi, mais il y a quelqu'un qui m'a dit qu'on était dans le milieu des requins, alors moi pas du tout. Alors au départ j'étais adorable et je voulais faire les choses gentiment. Aujourd'hui je me suis rendu compte qu'il fallait changer parce que les gens vous prennent vraiment pour des imbéciles. Ce qui m'est arrivé l'année passée, ce qui arrive à Bonencia Consulting, et aussi à Jérôme Vibert, qui sont des gens remarquables, je vous le rappelle. Je vous fais de gros bisous tendres et on se retrouve bien sûr tout à l'heure à 18h, donc pour... Thank you.